Je suis pas une icône ni un modèle, mais je suis pas non plus un tox ou une merde. Ce serait sympa de temps en temps de trouver le juste milieu pour me définir, comme il faudrait que je fasse des efforts entre la lenteur et l'agressivité, ou le réfléchi et la spontanéité. Et bizarrement, c'est souvent à moi de faire des efforts et m'adapter, c'est clair. Leurs reproches ne sont que des conseils vu leur expérience, histoire que leur connaissance s'éclaire, faire briller. Briller, c'est ça, la valorisation de soi n'est qu'une branlette et ça me saoule et chature. Acquiescer mièvrement un salaud pour desserrer la ceinture. Hypocrisie, bouffer son prochain pour avoir une assiette plus garnie que lui, alors que le voisin continue son chemin en Porsche, un brin fier de lui. Quand tu le croises, malgré tes convictions, tu le toises, histoire de faire partie de ce qu'on appelle les gens bien. Tout comme ces mecs qui mettent leur travail en priorité macabre, parce que leur boîte rapporte un max à la France, mais Terbus sur un piédestal. L'usine comme centre de sa vie, une idée macabre. Mais faut manger, et comme dit Hawks, pour que les uns soient libres, faut que les autres soient stables. Je suis ce que je suis, j'ai du mal avec la sociabilité. Alors je remue la mine quand je rumine en fait. Manie la rime d'une mine défaite, laminée de tant de défaites. Mais peut-être que je ne veux pas avoir mes victoires. Je termine mes projets souvent en lame de rasoir, à double tranchant. Soit magique, apprécié par mes proches ou des gens que je connais pas, ou à en finir sa vie seule dans une baignoire. Le destin de Dalida sans sa carrière, puisque même pas un seul album ni même une mixtape, juste des rencontres avec des mecs bourrés de talent et quelques concerts. Il y en a qui ont toujours cru en moi dans ce que je décris ici et qui ont toujours su encore aujourd'hui, et d'autres déçus de mon manque de sueur pour faire mes morceaux. Et alors, je remercie les personnes qui acceptent encore ma nonchalance et mes retards infinis de mes projets proches d'expériences inachevées. Que les autres me lynchent, peu importe. Tôt ou tard, le lâcher de bête empêchera certains de se relever. Surtout quand ce monstre chico mal lavé et la démarche mal assurée saute sur ses victimes engraissées de symboles et de célébrités. Un zombie, ça a la dalle. Donc il va sur celui où il y a le plus à manger. Mais bon. Pour avoir des choses à prouver, il faut que les actes s'accomplissent avant que l'écho soit close. Il paraîtrait même que je sois en manque de confiance en moi. Mais pour lire ce texte, relève de l'exploit. Car dans ce journal intime, à la base, je l'écris que pour moi. Voli-volou.